Le négociant pétrolier Lucien Ebata a été appréhendé dans la matinée du 6 octobre 2021 à l'aéroport du Bourget en possession d'une importante somme d'argent en liquide. Selon les informations d'Africa Intelligence, Lucien Ebata, négociant pétrolier congolais et intime de Denis Sassou Nguesso, a été interpellé dans la matinée du mercredi 6 octobre à Paris et placé en garde à vue. Ce dernier a été appréhendé par les douanes françaises à l'aéroport du Bourget alors qu'il transportait une importante somme en liquide non déclarée aux autorités. En France, la législation oblige en effet à déclarer au pays d'accueil toute somme en nature supérieure à 10 000 euros. L'affaire est traitée par le service des douanes d'Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. Motif aggravant pour l'homme d'affaires, il ne s'agit pas de sa première interpellation pour des faits similaires. En octobre 2012, déjà, Lucien Ebata avait été appréhendé à Roissy-Charles de Gaulle avec 182 000 euros en espèces. Il était toujours en garde à vue en fin d'après-midi de ce mercredi. Très actif dans le secteur pétrolier via sa société de trading Gorion Oil, Lucien Ebata est un acteur central du pétrole congolais. Depuis le début des années 2010, il a notamment obtenu plusieurs contrats avec la Congolaise de raffinage, CORAF, la Société Nationale des Pétroles du Congo, SNPC, mais aussi avec les compagnies suisses Vitol et Glencore. Fidèle d'entre les fidèles du chef de l'État congolais, il avait pris la tête de la déclinaison africaine de Forbes en 2012 qui, sous sa houlette, enchaîna les couvertures flatteuses sur le président congolais. L'ambassade de la République du Congo en France affirme, elle, que Lucien Ebata était en transit à Paris et a choisi de répondre volontairement à une convocation du juge d'instruction. L'ambassade précise que l'homme d'affaires est un conseiller spécial du président de la République du Congo, qu'il est titulaire d'un passeport diplomatique et d'une lettre de mission signée par le chef de l'État congolais, et à ce titre, il bénéficie d'une immunité fonctionnelle. Né pauvre parmi les pauvres à Olombo dans une commune proche du fief natal de Sassou dans le nord du pays, Ebata est aussi le patron de Forbes Africa. Un magazine de luxe sur les affaires et avec lequel le milliardaire organise de nombreux raouts. Ainsi à l'été 2017 alors que le Congo Brazza est au bord de la banqueroute, Ebata se voit officiellement bombardé conseiller spécial de la présidence congolaise pour les financements extérieurs. PDG du groupe Orion Oil, basé en Suisse et immatriculé aux Seychelles, son nom apparaît dans l'affaire des « biens mal acquis », une enquête sur le patrimoine en France du président congolais et de sa famille. Comme le confie alors un visiteur du soir du palais présidentiel de Mpila à Mondafrique, une promotion et un genre de tâche que l'on ne confie pas à n'importe qui. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.